Bonsoir, bienvenue, shalom, peuple de Dieu, shalom, amis de LLCCMTV.com. Vous avez en votre présence votre ambassadeur de tel que vous répondez à vos bien-aimés. Nous avons un message biblique. Le message de ce soir se trouve dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 13. Nous lirons à partir du premier verset jusqu'au dernier verset, c'est-à-dire le verset 13. Nous ferons du 13 au 13. C'est que le bon Dieu a bien voulu mettre votre disposition à notre disposition et nous avons à nous tenir à ce qui est bien dit par là. Nous allons nous souvenir qu'il y a à peine quelques heures, où nos frères et sœurs ont pu savourer à leur mesure ou à leur manière la fête qu'ils appellent eux-mêmes la Saint-Valentin. Nous, les chrétiens, nous avons notre façon de savourer aussi cette fête. Ce qui ne veut pas dire ceux qui l'ont savouré à leur manière, l'ont savouré de la manière dont il ne fallait pas la savourer. Chacun de nous a sa façon de voir les choses selon l'endroit où il se trouve. Si tu es en Afrique, tu l'as savouré à ta manière. Si tu es en Europe, tu l'as savouré à ta manière. Si tu es aux États-Unis, en Amérique, tu l'as savouré à ta manière. Si tu es en Asie, tu l'as aussi savouré à ta manière. En Mongolie, aussi. Et le long savouré à leur manière. Bien-aimé, la chanson ou encore le rythme musical que vous venez d'écouter, c'est une musique des frères péruviens. Pour la première fois, quand j'ai eu les voix à chanter ou jouer à ces instruments-là, j'étais tellement attiré que j'ai compris encore une fois, je dis bien encore une fois par là, que notre Dieu n'a pas de limite. Il peut parler de là où il peut parler, il peut apparaître là où il peut apparaître. Évidemment, je salue tous les déjà nos pères, je dis bien nos pères péruviens, pour tout ce qu'ils sont, et ils ont toujours été pour le Seigneur de Dieu Tout-Puissant. Je sais qu'il y a des chrétiens là-bas, il y a des musulmans, il y a d'autres congrégations qui aiment Dieu et qui aiment parler de Dieu. Voilà. Donc, alors, c'était bien pour certains, c'est notre message. C'est vrai que le message n'est pas fait à la date à laquelle, la date butoir à laquelle tout le monde s'y attendait, mais rien n'est impossible à celui qui court. Le message de Dieu peut arriver au temps où il arrive, et pour le temps qu'il fallait que ce message arrive, et à l'endroit où il a voulu que cela puisse arriver. Bien aimé, c'est ton jour, encore une fois, ta fête peut-être n'est pas terminée. À travers ce message, tu pourras comprendre que cette fête que tu savourais hier, elle a aussi été savourée quelque part chez les Corinthiens. Les Corinthiens à qui l'apôtre, par excellence, que je ne dirais pas le nom, a pu bien vouloir donner conseil, dire ce qu'il avait à dire, parfois envoyer des correspondances pour leur montrer que le Dieu qu'ils invoquent, c'est un bon Dieu, mais qu'il reste cadré dans le langage de Dieu, qu'il ne s'éloigne pas de la vraie parole de Dieu. Si vous êtes de Dieu, vous dites que vous êtes de Dieu, il faut rester dans la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas dans la parole de Dieu, vous risquerez d'entraîner tout le monde à ce que on ne pensait pas que cela pourrait être quelque chose aussi, je dirais entre guillemets, quelque chose de particulier. Bien-aimés, nous ne parlons pas d'autre chose. Puisque vous avez parlé de l'amour au 14, vous avez donné un nom à cette date-là. Pour les frères et sœurs, nous ne sommes pas contre ça. Ceux qui le font pour une bonne raison. S'ils ont à dépenser, ils dépensent pour une bonne raison. Si nous avons à dépenser, je dirais, nous avons à dépenser pour une bonne raison. Si nous n'avons pas à dépenser, nous n'avons pas à dépenser pour une bonne raison. Même lorsqu'il y a des fêtes chrétiennes, les païens aussi peuvent dire, il n'y a pas de païens, je dis, tous sont les enfants de Dieu. Il n'y a qu'à attendre le moment auquel tu vas arriver et pour rentrer dans le cas spirituel de notre Seigneur. Moi, j'ai souvent dit qu'il n'est jamais tard de revenir vers Dieu. Nous avons déjà été avec lui. Pour une raison ou une autre, nous sommes retrouvés dans une position où nous l'avons à nouveau renié notre foi. Et maintenant, lorsque nous avons compris qu'il y a raison de lui revenir, bien aimé, tu n'as pas de problème avec quelqu'un, tu n'as pas de problème avec une personne, il faut savoir le revenir. Le revenir, ça n'a aucun prix. Le prix, c'est quoi? C'est de témoigner que Jésus-Christ, qui est venu sur cette terre, est venu pour toi, est venu pour moi, et qu'il est venu pour
sortir certainement des angoisses. On dira, mais ceux qui n'ont pas ces angoisses-là, ceux qui n'ont pas ces problèmes, ceux qui n'ont pas ces difficultés, pourquoi vous rentrez au connaître Christ? Il dit, ceux qui vont l'invoquer, étant chrétiens, seront jugés selon leur appartenance. Ceux qui vont l'invoquer étant certainement musulmans seront jugés aussi comme étant des musulmans. Ceux qui vont l'invoquer en tant que païen, c'est-à-dire qu'ils ne diront pas de lui, même un nom à prononcer, ils seront jugés selon leur connaissance de Jésus-Christ. Moi, j'ai dit autrefois que lorsque tu as mal, tu finiras par dire, même en anglais, oh my God, j'ai mal. Mais quand tu peux dire en face, oh j'ai mal, Seigneur, ça fait mal. Ça veut dire que tu le connais et tu le racontes. Même ceux qui ne peuvent pas, ceux qui ne vont pas l'église. Voilà. 1 Corinthiens, le chapitre 13, verset 1 jusqu'au verset 13. Je vais lire sans plus tarder. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, et si, ou encore si, je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour n'est point envieux. Encore une fois, je le répète. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Quelqu'un peut souligner, l'amour ne périt jamais. Verset 8. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie, je vais simplement continuer, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait, selon les Écritures, c'est-à-dire ce qui se fait de la bonne manière, sera venu, ce qui est partiel, en partie, sera aboli. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est juste, comme qui dirait, sera venu, ce qui est peu juste, c'est-à-dire partiel, sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme ou suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était d'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais, alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu.
Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est-à-dire des trois, c'est l'amour. Donc l'amour est au-dessus de toutes ces choses-là. C'est que c'est-à-dire, si l'apôtre pense dire que ces trois choses sont le centre de gravité, que j'appelle gravité, de la vie d'un chrétien, c'est-à-dire, tu auras beau avoir la foi, tu auras beau avoir l'espérance qui est pratiquement synonyme de la foi. Donc, en un mot, espérance, c'est petit frère ou petite sœur de la foi. Et l'amour, c'est la clé. Donc, l'amour englobe à la foi, l'espérance des choses. Mais la plus grande, c'est quoi? C'est l'amour. Notre sujet est basé donc sur l'amour. Je ne parle pas de notre amour. Je parle de l'amour dans le degré spirituel, c'est-à-dire la manière dont tu as aimé ton prochain comme toi-même. Moïse eut à nous prescrire des commandements divins. Et parmi ceux de ces commandements, les disciples de Jésus-Christ n'ont pas manqué de poser cette question. Quel est le plus grand commandement? Parce qu'ils trouvaient que certainement les 10 commandements, c'était trop. Et ils voulaient que le 10 soit résumé par un seul commandement. Et comme vous savez, celui qui est doué d'une connaissance et d'une intelligence, au-dessus de toute intelligence, il ne pouvait pas se tromper. Il a trouvé qu'il avait raison de dire d'abord qu'il faut reconnaître celui qui l'a envoyé, qui est Dieu. Tu le reconnais, c'est lui que tu vas aimer en premier. Et il n'a même pas dit que tu vas aimer Jésus lui-même comme Seigneur et Sauveur. Non. À quel moment on dit tu vas aimer Jésus comme Seigneur et Sauveur? C'est lorsque nous nous souvenons lors du baptême d'eau qu'il vient recevoir auprès de Jean-Baptiste, à qui il dit laisse la volonté de Dieu se faire. Que la volonté soit faite. Et par ce témoignage par lequel Dieu lui-même dit que celui-ci est mon fils, écoutez-le. Ce n'est pas quelque chose qu'on a lu de travers, mais tout cela est écrit dans la Bible. Où Jésus ne se glorifie pas lui-même, ne se vante pas de lui-même. C'est Dieu qui témoigne de lui. Or, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu as un père qui veut que tu grandisses en sagesse, en intelligence, qui te fait des éloges, qui montre aux autres que tout ce que tu fais est bien, qui montre qu'il est fier de ce que tu fais, il est fier de ce que tu feras, quand il sait que ce que tu vas faire va donner de la vie aux autres, il ne peut que te propulser, il ne peut que te motiver dans sa bonne manière de t'instruire. Il ne viendra pas contre toi. Ce père qui vient s'interposer sur la bonne vie de son propre fils ou de sa propre fille, ce père-là, c'est un père illégitime. Ce père-là, quand je dis illégitime, et qui ne sert pas Dieu. Il y a un point d'interrogation dans sa foi. Est-ce qu'il aime Dieu? Oui, il n'aime pas Dieu. Bien-aimé, Jésus-Christ, évidemment, Jean, compris, pour peu que réellement Jésus-Christ était bien celui qui venait. Car il dit lui-même que j'aurai de la peine, ça c'est dans les termes que je préfère dire cela, de la peine à délier même ses souliers, c'est-à-dire à lui enlever ses chaussures. On dira que ce sont les chaussures en tant que telles, ce ne sont pas les chaussures. Que si Jésus-Christ avait des péchés, que c'est lui qui devrait normalement lui ôter ses péchés. Mais Jean n'avait pas le pouvoir, puisque Jésus-Christ n'avait pas de péché en lui. Même s'il avait le péché, Jésus ne pouvait pas venir
se confesser chez lui parce qu'il ne pouvait rien faire. Dieu ne peut pas, si on dit Dieu ne peut pas venir confesser auprès de quelqu'un, je m'humilie, j'ai péché contre toi. Non. Dieu ne le fait jamais. Dieu ne dira pas à un homme que moi je viens demander pardon pour toi, je te demande pardon, si tu me pardonnes, moi j'ai fait ce de mauvais contre toi. Non. Dieu a un pouvoir qui le rend tellement supérieur à tout. Puisqu'il n'y a que lui qui peut te faire grâce. Et toi, en tant qu'un homme, tu ne peux pas faire grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est censé t'instruire. Il est censé te montrer le chemin à suivre. Il est censé t'enseigner, te dire ce que tu dois faire. Mais si tu écoutes de lui, c'est lui qui doit décider de ton sort. Il dira oui, c'est le moment où jamais je dois mettre cela à ta disposition ou bien te donner. Et c'est comme ça. C'est Dieu qui est comme ça. Ce n'est pas un homme comme toi et moi. Un homme comme toi et moi, lorsque tu sais que ce que tu as fait à l'autre est très mauvais ou est mauvais, tu demanderas pardon. Et même humainement, on se dit souvent qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. Mais tu dis pardonne en totalité. Ce n'est pas 50% du pardon que tu vas offrir à l'autre. Si on offre le pardon, bien sûr. Ou accorder à l'autre. Tu diras pardonne-moi. Toi qui reconnais, tu viens avec un esprit d'humilité, c'est tout. Et celui à qui tu présentes cela est censé te comprendre, t'écouter et prendre à cœur ce que tu lui as dit. Il ne peut pas haranguer même s'il y avait quelque chose. Vous voyez, je n'ai pas à revenir sur ce qui se passe pendant dans notre pays ici en Angleterre ou ce qui se passe dans d'autres pays d'Afrique ou des Amériques. Que lorsque quelqu'un t'a demandé pardon, que tu dises non, malgré que tu aies demandé pardon, moi c'est pas ça, c'est pas ce que je compte. Ce que tu m'as fait, moi je trouve... Écoute, est-ce que tu t'es regardé toi-même? Tu n'as jamais fait des choses plus graves, très graves, à dépasser même ce que les autres t'ont fait, pour qu'une fois que tu essaies de te dire que non, oui, là je peux me rabattre et puis accepter ce qui s'est fait. Pardonner. Regarde aussi parfois la taille de la personne. Regarde parfois un peu le caractère de cette personne juste à tes côtés. Dieu parfois parle. Il y a des gens à qui Dieu s'est révélé par le canal d'un homme de Dieu et des visions qui sont spirituelles. Et Dieu a confirmé cela dans des églises, même dans une église en disant « Faites attention à ceci, faites attention à cela. » Les gens ont eu affaire des doutes, mais ils ont vu de leurs yeux ce que Dieu voulait bien dire par là. Moi, je dis entrer en transe, c'est dévoiler le secret de Satan. En un mot, il y a deux choses. Tu es en transe, ce n'est pas par hasard. Si tu as le discernement de comprendre que lorsque tu es en transe, tu es en train de combattre et tu dénoues là où il y avait un nœud. Et Dieu met à nu ce qui se faisait en cachette, sans que tu le saches. Là où tu croyais qu'il y avait de l'amour, oh, il n'y avait pas de l'amour. Ce n'était que de l'hypocrisie. Ce n'était que la mauvaise manière de faire les choses. Et tu crois que vous êtes en amitié. Tu veux aider la personne en tant qu'un homme et la personne te bouffe juste au bas. Tu veux aider la personne, elle te bouffe juste au bas. Mais tu connais tout, tu vois tout ce qui se fait. Même quand tu arrives à faire donner le message, tu dis tout ce que tu fais, je vois et je comprends. Mais celui qui a le discernement ne va pas s'agiter. Il dira laisse-moi aller jusqu'au bout. Je vais. Dieu va dire non. Tu veux dire non, écoute, laisse-moi faire ça maintenant. Non. Ce n'est pas le moment, tu ne le feras pas. Reste ici. Continue. Jusqu'à ce que tu saches. Au jour J, tu découvres réellement ce que l'on.
Aujourd'hui, ça c'est ce que je me suis dit il n'y a pas longtemps. Cherchons d'abord les motos. Et le reste viendra par-dessus tout. On ne cherche plus le royaume de Dieu d'abord. On cherche les motos, la moto. Et le reste viendra par-dessus tout. Il dit, cherchons d'abord les motos, la moto. Rom, rom. Et le reste viendra par-dessus tout. Ah bon? Où est l'amour? Tu aimeras ton Seigneur Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée, de ta force. Et de cela, tu aimeras ton prochain comme qui? Comme toi-même. Moi, je peux me mettre là en train de prêcher nuit et jour. Je peux me mettre là en train de prêcher nuit et jour, de dire que Dieu est Dieu quand je ne suis pas capable. Que ma moto peut te permettre d'arriver quelque part, je suis zéro. Je suis zéro. Tout ce que je te dis, c'est du bluff, c'est le mensonge. Je ne suis pas honnête avec toi. Même lorsqu'on te donne des choses par mon canal, Dieu dit, je fais passer cela par toi. Laisse que l'Est soit béni. Laisse que l'Ouest soit béni. Laisse que le Nord soit béni. Laisse que le Sud soit béni. Laisse que le Centre soit béni. Tu viens toujours contre moi. Même quand Dieu peut me montrer, si je parle, tu peux t'opposer. Tu dis c'est faux, ce n'est pas Dieu, alors que c'est la vérité. Il faut que tu vois, que tu comprennes. Même lorsqu'on dit, une souris va atterrir quelque part. On attend la souris. On attend la souris. Et je vais te dire ça comment. Tu ne comprendras pas. Pourquoi? Parce que tu es arrogant. Tu restes arrogant et tu dis que n'y a que toi qui peux dire aux autres. Même lorsque je peux apprendre quelque chose de toi, je te dis, regarde ce que je vais apprendre de toi, ce qu'on m'a dit. Mais ma foi ne me fait pas un émo arrêter quelque part pour que je ne puisse plus avancer en amitié. Je dis, tout ce que je peux apprendre, même parfois avec mes propres parents, mes propres neveux, nièces, frères, qui me disent des choses, qui peuvent me dire des choses, qu'attention, ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je dis, la primeur, ce n'est plus ce que vous me dites, la primeur, c'est Dieu est dans sa parole. Pourquoi? Parce que Dieu est au-dessus, à travers sa parole, il est au-dessus de tout ce que vous pouvez me dire. Je ne crois pas en homme, mais je crois en la parole qui peut sortir de la bouche de quelqu'un. Pourquoi? Parce que il y a une sympathie, une manière de communier, une manière de s'entendre, une manière de bien s'examiner. Si je viens vers toi, je te dis, attention, il y a ceci que j'ai appris. Ça ne veut pas dire que je suis contre toi. Et si je ne viens pas vers toi, je ne te dis pas cela, je suis hypocrite. Tout ce que je fais avec toi, ça n'a aucun résultat escompté. Et je me dirai qu'un jour, je peux me retrouver quelque part. Non. Même lorsqu'on me fait des propositions, je n'arrive pas à me taire. Je dis parce que je sais que la parole de Dieu nous dit qu'il faut être resté un. Unanimement dans la communion spirituelle. Je n'ai pas à aller contre toi, mais je te montre. Regarde ce qu'il y a, ce qui veut se faire. Il faut que je te dise que si je le fais, regarde, comment tu penses, qu'est-ce que tu penses? Je t'associe à cela, je ne t'oublie pas. Je te reconnais depuis la source, mais ça c'est ce que je te dis. Même quand tu es en amitié, parfois avec ces personnes, toi tu sais tout, comment tu communies avec ces personnes, mais tu me mens, tu me trompes. Que tu n'es pas avec ces personnes. L'Esprit de Dieu, tu peux mentir. Tu peux mentir.
fin des fins, Dieu finira par te mettre dehors. Il va sortir tout ce que tu faisais. Et tu auras honte pour rien. Dieu veut t'aider. Je suis un homme. Si je dis je peux t'aider au meilleur de moi, ça c'est moi qui le dis en tant qu'un homme. Je suis limité. Mais Dieu n'est pas limité dans ce qu'il peut mettre à ta disposition. Si tu crois que Dieu existe, que celui qui est à côté de toi est de Dieu, si tu doutes de la spiritualité de celui qui t'a déjà montré des signes de vie pour lesquels Dieu t'a instruit à travers cette personne et tu refuses, crois-moi, bien-aimé, que tu n'es pas sur la bonne voie. Ce n'est pas à celui-là que la prière sera faite, mais c'est à toi qui n'as jusque-là pas encore compris. Et tu ne sais pas qui t'aime et qui peut mieux t'aimer. Quand je dis mieux t'aimer, parfois il y en a qui viennent juste pour te tromper. Mais même celui qui vient vers toi, dans la douleur, il accepte de s'exposer. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Il faut d'abord aimer Christ, Jésus. Il faut aimer Dieu, l'Éternel des âmes, le puissant et le véritable, pour que tu puisses comprendre que celui-là n'est pas mon ami. Chaque chose a son temps. Dieu peut avoir permis une fois, la chose s'est mal faite. Dieu dit, je pardonne. Vas-y. Il t'envoie son serviteur en amitié, en fraternité, en amour, avec toute la paix. L'homme ou la femme pouvait se dire, non, il y a déjà eu ceci, pourquoi encore aller là-bas? Et Dieu dit, l'homme peut changer. Ce qui n'est pas mon intention. Mais on ne se vante pas lorsque l'autre revient vers toi, humblement, et s'humilie, accepte le dit, que ce n'est pas d'une fausse humilité qu'il reviendrait, mais c'est parce que Dieu a permis qu'il revienne. Sinon, Dieu pourrait se maintenir dans sa position. Pourquoi être le contraire de ce que les Écritures nous enseignent, alors que nous sommes censés nous tenir devant le peuple? Son peuple parfois dit des choses quand on sait que c'est de cette façon qu'il faut le dire, et se plaindre de quelle façon et de quelle manière. Je n'ai pas envie de donner des détails de ce que quelqu'un m'aurait peut-être dit, ou encore ce que quelqu'un aurait pu dire à une autre personne, mais nous parlons de l'amour. Le vrai amour, c'est celui-ci. Même quand tu peux être avec ta femme, vous parlez des choses, mais si vous ne pratiquez pas ceci, ça ne servira à rien. Encore mieux, quelqu'un qui viendrait d'ailleurs, toi tu viendras d'ailleurs, vous vous rencontrez pour l'amour de Jésus, à faire de Jésus, pour dire aux autres ce qu'il faut faire, si vous ne vous entendez pas. La manière à vous entendre, vous ne le faites pas de la manière dont il fallait le faire. Vous allez vous arrêter en cours de route. Le chemin ne sera pas bon. Maintenant, donc ces trois choses demeurent. La foi, il faut croire en l'autre. Et il faut accepter le conseil. Il faut accepter que l'autre te critique. C'est comme ça qu'on avance. Si l'autre ne te critique pas, il ne te critique pas auprès d'une autre personne. Il te fait ce qu'on appelle un critique ou encore l'autocritique. Ça, c'est pour soi-même. Et le critique pour te dire, ça sert à quoi? C'est un feedback. Pour te dire que ce que nous avons fait ou tel a fait qui fait partie du même cas dans lequel nous évoluons ne devrait pas le faire. Et avant de faire un travail pareil, il faut être proprement préparé. Nous avons vu certains, j'ai regardé à peine il y a quelques jours à la télé, que quelqu'un est arrivé à faire des choses travaillant pour une société quelconque. Et ce que la personne t'arrive à faire, elle ne devrait pas le faire. Elle s'est mal comportée, la personne. On pouvait attirer l'attention de cette personne. Écoute, ce que tu fais, c'est pas bien.
Dorénavant, avant que tu ne fasses quelque chose, demande la permission. C'est tout. Ce n'est pas au responsable de la compagnie sur le champ va dire écoute, non, ça c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, j'ai pensé, je pouvais penser en tant qu'un homme que non, moi je ne veux pas. Sinon, cela pouvait se reproduire. Non, c'est pas comme ça. Sinon, on ne serait pas dans les pays dans lesquels nous sommes. Ici, là où nous sommes. Ces décisions seraient prises, ils seraient catégoriques dans certains coins ou certains pans. La personne dira non, allez, moi c'est comme ça, moi c'est comme ça. Mais ces choses-là n'existent pas. Aujourd'hui, nous sommes devenus comme des autochtones de ce pays-là. Je ne suis pas né anglais. Si je suis anglais aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont trouvé en moi, mes frères anglais, que c'était bien normal que nous puissions nous partager le commun. Il y a raison donc de les aimer, de les respecter. Peu importe ce qu'ils peuvent être, on peut se disputer, on peut se dire des choses, mais ça ne sera pas la fin à tout. Il y a toujours une bonne raison de revenir sur ses pas. Ceux qui n'ont pas encore compris comprendront qu'il est à lui de s'asseoir. Si je n'ai pas compris, je crois que j'ai tort, je dirais que oui, même si je peux dire oui, quand j'ai compris que j'ai tort, je dirais que j'ai tort. Je dirais que j'ai tort, oui, l'autre a raison. Parfois, tu es même si tu te dis, ah, vraiment, même là, j'ai parlé, mais je reconnais mon tort. C'est tout. Mais l'autre aussi, dans sa position, puisse reconnaître son tort. Je n'aime pas que tu puisses m'haïr ou haïr quelqu'un d'autre et tu gardes ce don-là en toi. De ne pas aimer l'autre de la manière dont il fallait aimer. Et tu deviens bavard. Tu commences à raconter. Parfois les choses que tu peux te mettre à faire des reproches aux autres, c'est ce que toi tu fais le pire. Et tu ne veux pas qu'à travers le pire que tu fais, qu'on te dise que ça, c'est ce qu'on a appris de cela. Est-ce que c'est comme ça que ça devrait être? Parce que tu te dis que c'est... Bon, tu es ce que tu es. Tu n'es fait que pour dire aux autres ce qu'ils font de mauvais. Les réprimander et tu motives à ce qu'ils soient persécutés. Mais lorsque toi-même, tu es dans cette position-là, tu deviens... Quelqu'un qui te cache. Tu veux te cacher. Pourquoi te cacher? On peut te dire que oui, on t'a vu avec telle personne. Est-ce que c'est un problème? Quand tu dis toi-même tu es pieux, tu n'as jamais péché. Tu ne pèches jamais. Il n'y a que les autres qui pêchent. Tu n'as jamais péché. Tu es blanc. Même la neige, elle est noire. Tu n'as jamais péché. Mais quand on dit quand même que, est-ce que moi j'ai appris ceci de toi, est-ce que vraiment c'est vraiment cela? Tu peux dire simplement que oui, c'est vrai que ça s'est fait comme ci, comme cela. Bon, moi j'ai pris une distance, ces choses-là n'existent plus. C'est tout, c'est passé, je ne suis pas Dieu pour te juger. Et je ne peux pas non plus te demander à ce que tu puisses confesser chez moi, c'est-à-dire en disant que pardonne-moi, oui j'avais fait cela, je n'ai pas raison de le demander. Ou encore, quelque chose qui s'était passé il y a longtemps, on peut mettre la puce à l'oreille, bah écoute, on dit ceci, dit cela. Et puis, voilà, je te dis, attention, il y a quelqu'un qui est en train de vouloir prendre cette position contre toi. Et donc, pense à résoudre le problème un peu autrement. Mais toi, tu trouves ça que c'est mauvais. Toi, quand ça vient comme ça, tu te dis, ah, je n'aurai plus de chapitre à lire. Je n'aurai plus d'évangile à lire. Je n'aurai plus de versets à lire. Pourquoi? Parce que on me lit déjà ces versets. On me lit ces chapitres. On me lit ces évangiles. Hein? Quelqu'un disait, connais-toi toi-même. Si tu connais les autres, il faut te connaître toi-même aussi. Moi, lorsque je prêche, je peux prêcher ici, je dirais que je ne suis pas meilleur que les autres. Pourquoi? Parce que je peux prêcher en pensée, je peux prêcher en parole, je peux prêcher en acte, comme je peux prêcher par oubli sans le savoir. Je ne suis pas plus que Jésus. Même Jésus est arrivé à chicoter les gens dans l'église pour les chasser. Il ouvre là où il y avait des pigeons sortent.
Jésus l'a fait. Ah, s'il y avait des caméras ce jour-là, on aurait eu à voir ce film. Jésus, soit ça dit que non, race de ceci, race de cela. Ce n'est pas parce qu'il ne les aimait pas. Quand tu veux voir quelqu'un réussir, quand tu veux voir quelqu'un y parvenir, en tout cas, tu peux prendre une position envers la personne pour lui montrer que tu l'aimes. Mais il y a une bonne manière de prendre une position. Jésus ne le faisait pas parce qu'il ne les aimait pas. Il le faisait parce qu'il les aimait. Il voulait à ce qu'ils fassent ce qu'ils pensaient pouvait les aider eux-mêmes. S'ils savaient qu'il était là pour eux, ils le reconnaîtraient. Mais ils l'ont vu, ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont écouté, ils n'ont pas reconnu. Et tout ce qu'il a dit pour certains, ils ne l'ont pas gardé. Dieu nous a parlé plusieurs fois. Nous en avons déjà parlé plusieurs fois à nos frères et à nos sœurs pour leur montrer combien de fois Dieu nous aime. Même quand Dieu parle, Dieu peut parler dans une église, là où il y a tout un monde. Il utilise son fils. Il dit, montre-le. Montre-le. Les gens se sont mis à douter et à critiquer même ce qui est dit. Mais Dieu fait quoi? La finition c'est quoi? Il faut que tu vois. Et Dieu t'a attrapé. Dieu t'a attrapé. Il n'y a qu'à te rappeler parfois comment ça s'était fait. À quel moment ça s'est fait. Tout s'est bien passé. Tout se passe bien. Mais à la dernière minute, il faut faire quoi? Faire une prière. De quoi? De sanctification. Pas de bénédiction, mais de sanctification. Tu vas sanctifier Dieu dans le péché? Ou sanctifier de Dieu dans le péché? Dieu montre, regarde. Et l'homme de Dieu pouvait savoir que dans peut-être un jour, deux jours qui vont suivre, il y a quelque chose. Dieu n'a rien caché. Il a montré. Il dit, regarde. Et le jour même, il dit, tu vas voir ça aujourd'hui. Tu vas voir et tu sauras si c'est vrai. Ce que tu entends souvent à travers le téléphone, ce que tu vois souvent avec tes yeux, même les routes que vous empruntez, ce sont les fausses routes. Et tu verras ça de tes propres yeux et tu sauras réellement qui est l'homme. Je prêche à quelqu'un. Je parle de l'amour. Je ne suis pas en dehors de l'amour. Je parle de l'amour. On bâtit. Nous bâtissons. Parce que nous aimons. Nous bâtissons. Parce que nous créons. Nous bâtissons. Parce que nous sommes ce que Dieu a voulu que nous puissions être. Même lorsque nous ne le sommes pas encore, j'ai dit nous tendons à redevenir Père éternel. Faut pas tuer l'autre. Ne cherche pas à faire du mal à l'autre à cause des dénis de ce monde. Tu pourras tout avoir, tu peux te réjouir. Pas seulement lire le psaume 49. Il nous enseigne parfois de bonnes choses. Et comme nous aimons ce psaume, on n'est pas contre ce psaume pour l'heure. Je salue les résidents de ce psaume. Alléluia. Et quand je parlais, nous allons maintenant lire ce que l'apôtre a voulu dire aux Corinthiens. Et quand je parlais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Tu es comme juste un tonneau. Et je peux parler en langue. Je peux parler en plusieurs langues. Je peux parler en telle langue. Tu as appris les langues, mais tu ne sais pas pratiquer de ces langues-là. Tu as déjà appris peut-être le français. Tu ne sais pas
pratiquer les règles du français. Tu as appris peut-être l'anglais, tu ne sais pas pratiquer les règles en anglais. Tu as appris le Wolof, mais tu ne sais pas pratiquer les règles du Wolof. Pourquoi? Parce que tu te dis que ces langues que tu as apprises, elles ne te sont que favorables à toi. Elles ne peuvent pas servir d'intermédiaire ou elles ne peuvent pas contribuer pour aider les autres. Mais si tu ne peux pas aider les autres à travers les langues que tu connais, comment voudras-tu que les autres puissent comprendre que cet amour, tu l'envers eux? Il y a tellement d'erreurs que je pourrais qualifier de graves erreurs, mais par respect, je peux dire que ce que tu fais est bon. Mais laisse-moi corriger l'erreur de la manière dont je pense qu'il y a rien de corrigé, à cause du respect que j'ai pour toi. Parce que Dieu m'a demandé de te respecter. Tu peux aller chercher l'enfant de l'autre par amour, pour vouloir faire quelque chose de bien, mais ne t'éloigne pas. Tu sais ce qu'on peut faire à la personne? Ne t'éloigne pas, reste jusqu'à ce que la chose se termine. Tu prends l'enfant de l'autre, tu l'amènes quelque part, et il n'y a personne d'autre là. Et tu vas te retrouver quelque part, tu vas dire, vous pouvez venir, laissez votre enfant de ce côté-là. Ça ne se fait jamais. C'est diabolique. C'est satanique, ça. Même si Cora était l'ami de Moka, et puis l'ami aussi de Boka. C'est toi-même qui l'as dit, en plein culte, que Cora était l'ami de Boka ou de Nokaz. Pourquoi tu ne veux pas que l'autre a cherché son bébé? Et il laisse le bébé là-bas. C'est chez moi qu'il le faut. C'est mauvais. Ça ne se fait jamais. Toi, tu prends pour toi-même, tu vas cacher. Et pour les autres, tu exposes. Il dit non, ça là-bas, vous pouvez venir en demi-tarif. C'est bien, le billet est moins cher. Et c'est mauvais quand c'est une famille, c'est une famille. On paye le billet en famille. On ne payera pas le billet pour toi. Et l'autre va rester où? Je salue quelqu'un en passant. Je sais que je t'aime, mais je ne suis pas contre toi. Parce qu'il fallait seulement dire ça. Oh là là! Oh là là! Alléluia, amen. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit, comme un tonneau. Le tonneau, quand il est plein, tu le joues, il a un son confus. Tu ne sauras pas que c'est ce qui vient d'être dit. Mais lorsque tu le joues de la manière à se dire que ce fût là n'est pas, il n'y a rien à l'intérieur, il n'y a pas d'eau, on dira tonneau vide, la manière dont ça va résonner, même si tu étais en dindé ou on le jouait depuis ma cabesse, tu vas entendre le bruit. Ou tu es en dindé, on le joue depuis Batsengi, tu vas entendre le bruit. Ou encore, tu as donné, on le joue depuis Malenga, tu vas entendre le bruit quand Malenga existait encore. Ou tu as donné, on le joue depuis Boutembi, tu vas encore écouter le bruit. On le joue encore et Dungila et Nyangpon, le bruit tu l'entendras. De jour, tu peux jouer. C'est confus, il y a des oiseaux qui chantent, des animaux, des moutons, tout, qui font du bruit. Et ceux qui vont dans les champs, qui frappent par-ci, par-là, tu ne vas pas comprendre. Mais quand ça se joue de nuit,
quel que soit l'endroit où tu peux être. Si celui qui joue est sur une montagne, ou c'est toi qui es sur une montagne, tu recevras le son. C'est comme ça que Dieu parle. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Il me faut l'amour. Quand j'aurai à prophétiser, si Joseph n'avait pas l'amour de pardonner ceux qui l'ont mis en prison, Dieu ne pouvait pas mettre ce message à sa disposition. Si Dieu n'avait pas pensé que ce prophète-là, en Égypte, qui finit par devenir gouverneur de l'Égypte, je ne dis pas son nom, s'il n'avait pas l'esprit de pardon, il ne pouvait pas être là. Regardez Jésus, quand il se retrouve sur la croix, on dit que c'est le malfaiteur à ta droite, lui a dit quelque chose, et celui à, je ne sais pas, de l'autre côté. Et il y a un des deux qui dit, toi tu as péché. Et lui dit, il n'a rien fait. Toi tu crois qu'il est comme toi et moi. Et il va dire à qui? À Christ. Souviens-toi de moi quand tu seras, ou quand tu reviendras, ou bien lorsque tu seras là où tu seras. Il faut te souvenir de moi. C'est comme ça que ça se passe. Lorsque vous souffrez ensemble, lorsque vous souffrez pour hériter le royaume des cieux, tu voudras bien, même à la dernière minute, dire à l'autre que ne m'oublie pas. C'est vrai que je reconnais ce que j'ai fait est mauvais, mais je sais que par toi, tu voudras bien que je sois écouté. Et que c'est vivant. Au moment même où je te parle, tu seras où? Dans le paradis. À la dernière minute, je dis bien à la dernière minute, racheté. Et c'est retrouvé où? Dans le paradis. Bien que ce n'est pas écrit, mais quand il a parlé, il a dit, pour de vrai, pas pour de faux. Toi, quel est le paradis que tu promets à l'autre? Quand tu l'emmènes s'associer avec toi pour prétendre parler de Dieu, parfois certaines questions qui arrivent qui n'ont aucun sens, on dirait n'ont aucun sens avec la parole de Dieu. Mais l'autre, par amour et selon l'esprit qu'il a de Dieu, formule le bien de montrer aux autres que tu n'es pas mauvais. Auras-tu le courage de demander à Jésus? Auras-tu ce courage de demander à Jésus de se souvenir de toi? Mais si tu ne le fais pas, où penses-tu, à qui penses-tu poser cette question? Ou bien tu veux voir comment est-ce que ça se passe pour que tu dises maintenant que vous souvenez. Non, mais l'amertume va t'embêter et tu seras dans une position où tu n'aurais pas souhaité y être. Et les mots vont te manquer. Dieu sait les gars, nous sommes des petits. Voilà pourquoi il dit nous connaissons pour peu. Il n'y a que lui qui connaît pour beaucoup. Il nous permet même de lui demander à travers Jérémie 33, 3. Il dit invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des choses que nous ne connaissons pas. Mais il dit si tu m'invoques. Il dit si tu m'invoques. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas, des choses que moi je ne connais pas, des choses que tu ne connais pas. Mais lorsqu'il me les révèle, que dois-je faire? Que je me taise? S'il dit, va le dire. Même quand on dit parfois que la vie te blesse. Et si je veux te voir vivre, que ferais-je? Il a dit, va dire. Je le dirai. Même quand venir contre moi. Et pourtant, c'est pour ton bien. Que tu aies le don de prophétiser. Et d'avoir toute la connaissance
même quand la foi sera pleine. Et pourtant, il nous a dit tout à l'heure que maintenant, donc ces trois choses demeurent. La foi, même la foi, quand tu auras la foi, mais si tu ne sais pas aimer l'autre, ça sera nul. Jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je suis zéro. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Quand tu auras à distribuer tous tes biens pour la nourriture des pauvres, c'est-à-dire tu auras beau faire le monde, tu auras beau te vanter que tu donnes souvent, tu partages la nourriture, tu donnes de la nourriture aux autres, tu leur donnes des vêtements, tu leur donnes tout ce qu'il faut. Mais si tu n'as pas de l'amour, tu feras cela par orgueil. Et Dieu ne peut pas te bénir pour ça. Fais-le d'un seul cœur. Quand tu le feras d'un seul cœur, ce Dieu que je connais, ce Dieu que tu prétends connaître, il va témoigner de toi. Tu auras à te livrer pour que tu sois brûlé. Bien-aimé, Daniel a dit, ah, j'ai sorti même le nom. Bon, celui-là a dit que moi, on peut me mettre dans la fosse. Là où il y a le feu, dans une fournaise, ce Dieu que nous connaissons va nous délivrer. Mais si il n'avait pas de l'amour pour ceux qui l'entraînaient même dans la fosse, il devrait revenir. C'est parce qu'il les aimait. Il n'avait rien à penser du mal d'eux et que Dieu a été le seul et le juste juge à cela pour leur montrer que tout ce qu'il disait ne venait pas d'ailleurs, venait de Dieu. Et il ne prêchait pas la haine, il prêchait l'amour. Il est resté dans le fil du cadre de la réalité. Le fil du cadre de la réalité. Un témoignage vivant, pas un témoignage mourant. Quand il dit témoignage vivant, c'est pour sauver. Pour donner la vie aux autres. Parce qu'il l'aimait. Il l'aimait. Il l'aimait. Il aimait et il n'a jamais cessé d'aimer. C'est une patrie. Quand je dis une patrie, c'est-à-dire on peut retrouver d'autres à gauche, d'autres à droite, d'autres devant, d'autres derrière et d'autres au centre. Ce sont les mêmes personnes. Peu importe la couleur, tu mets le make-up, ils sont dedans. Alléluia. Même avec mes corps, ils sont dedans. Mais regardez nos frères parfois. Je vais un peu le dire aujourd'hui. Moi, je suis black, noir, non? Je peux mettre le make-up. Mais celui qui est blanc, pourquoi il voudra mettre encore le make-up? Il est déjà blanc, non? Ça, c'est un truc, mais c'est juste pour s'amuser. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'il est blanc, c'est vrai. Mais il a toujours besoin du make-up. Pour faire quoi? Rectifier certaines erreurs. Même de peau, il y a des erreurs. À plus forte raison. Moi qui suis black, n'ai-je pas besoin de rectifier certaines erreurs sur moi? Non, si je ne mets pas le make-up. Mais je mets le make-up spirituel. Alléluia! Il faut mettre le make-up spirituel. Le make-up spirituel des chrétiens, c'est ce que nous disons aujourd'hui. J'aime même peut-être le thème. Mais comme. Non, Dieu lui-même donnera le thème. Et quand je distribuais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est quoi finalement? Ce qu'il faut retenir de l'amour. C'est quoi réellement l'amour? Nous parlons de l'amour. Oh, Saint Vivian,
C'est bien. Hussein, il arrive, c'est bon. Saint-Sara, c'est bon. Je ne dis pas les saints. Hein? Saint-Sylvie, Saint-Axel, c'est bon. C'est bon. Hein? Il faut avoir des saints. Alléluia. Oh, que c'est beau. L'amour, c'est quoi? L'amour, comment est-ce qu'on pratique l'amour? L'amour est patient. Il faut de la patience. Ne pas se précipiter. Quelqu'un a pu commettre une erreur, prends un peu de temps. Ne viens pas aussitôt contre la personne. Oh, ce que tu as fait là, c'est là. Mais bien aimé, si l'autre aussi t'avais vu une fois commettre une erreur et te mettait dans la même position, tu diras quoi? Tu ne vas pas aimer. Peut-être que l'autre l'a fait par précipitation ou bien par instruction, que j'appelle mauvaise instruction. Quelque chose qu'on peut... Il n'y a rien qu'on puisse pas rectifier sur cette terre. Un truc rédigé sur un papier, sur du papier, peut facilement être rectifié. Même lorsqu'on dit que c'est une loi votée par notre Parlement, que ça soit d'ici, de là-bas, que de là-bas encore, ou même en Mongolie, on dira qu'il faut reprendre cela. Même lorsqu'on est arrivé à dire que oui, on avait pris telle décision contre cette personne, où on n'a plus autre chose à dire, quand cette personne n'a plus raison de dire telle ou telle chose. L'amnistie, ce n'est pas un animal qui l'a fabriqué. Même les animaux ont l'amnistie. Lorsqu'on tue les éléphants, qu'est-ce que les braconniers la font? Ils enlèvent l'ivoire et qu'ils se mettent à vendre de partout. Mais lorsque nous voyons les hommes et les femmes de bonne foi qui s'érigent contre ces pratiques-là, parce qu'il faut permettre à ce que l'espèce puisse encore féconder pour qu'il n'en manque pas, c'est une forme d'amnistie. Qu'on décide d'un temps pour lequel on ne peut plus tuer tel animal, ce n'est pas mauvais en soi, c'est bien, parce qu'il ne faudra pas que cela puisse nous manquer. Mais si cela arrive auprès des hommes pour décider sur les animaux, comment est-ce que ces hommes-là ne peuvent pas prendre des décisions sur des humains qui sont leurs semblables? Quelqu'un disait que peut-être en Europe ou même dans certains trucs qui arrivent à apprivoiser certains animaux, que tu peux demander à un animal d'aller faire un travail qu'un homme peut faire. Je vous ai parlé de l'histoire de cette femme-là qui était dans le village et qui ne se sentait pas bien, qui était dans une maison, et puis elle est sortie, les autres sont allés raconter beaucoup de choses en brousse. Et une mouche est partie de la brousse jusqu'au village pour lui dire tout ce que cette femme-là était en train de raconter contre ces femmes-là étaient en train de raconter contre elle. Et elle était au village, lorsqu'elle sort, elle ne pouvait pas activer le feu. Il fallait prendre le bois par-ci par-là. Elle n'avait pas les forces. Elle a demandé à ce que le chien puisse le faire. Non, pas elle a demandé le chien. Elle a dit, si j'avais quelqu'un ici, il pouvait m'aider, ne fût-ce qu'à déplacer ce bois pour que je le mette au feu. Mais le chien s'est montré en quoi un homme pour aider cette femme. Alors pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui il ne peut pas y avoir même d'amnistie qui peut être catégorique sur certaines choses? Non, ce sont des humains, il faut savoir pardonner, il faut savoir pardonner. Et pardonner dans la patience. Celui qui a été patient ou celle qui a été patient. Peut bénéficier
de l'amnistie. Moral, spirituel, écrit, de l'écrite, oui. Et de toutes les formes. L'amour est plein de bonté. Tu ne voudras pas faire ce qui est mauvais. Tu voudras toujours faire ce qui est bien aux autres. Quand tu sais que tu espères que les autres fassent du bien, tu voudras faire ce qui est bien. Tu ne voudras pas faire ce qui est mauvais aux autres. Tu voudras faire du bien. Donc, il faut continuer à faire ce qui est bien. L'amour ne se vante point. Il n'y a pas à sympathiser avec quelqu'un par signe d'orgueil. Si ce sont des choses que nous voyons auparavant avec nous, mais aujourd'hui nous avons appris. Le peu que nous avons compris, pratiquons-le. Plus besoin ou plus n'est besoin de savourer un amour ou de pratiquer un amour avec vantardise. Il n'y a pas raison de le faire. Et l'amour n'est point envieux. Tu n'as pas envié quelqu'un. Et nous disons souvent, ce psaume-là dit, pourquoi me sentirais-je embêté lorsque je vois un homme s'enrichir? Pourquoi moi je vais me sentir mal à l'aise lorsque je vois l'autre en train de s'enrichir? S'il s'enrichit honnêtement, je n'aurais pas à me sentir embêté. Mais lorsque je vois que l'autre s'enrichit malhonnêtement, malheureusement que quand tu veux faire comme eux, c'est plus facile qu'on t'attrape. Lorsque toi tu dis que tu ne veux pas, tu es obligé de regarder et souffrir comme ça. Mais tu vas envier, tu vas tomber, tu ne vas pas rester debout, tu vas tomber. Mais tu préfères souffrir. Attendre que quelque chose de bien se fasse. Ça, c'est ce que nous connaissons. Ça, c'est ce que nous savons. Tu n'as pas envié l'autre. Il a une moto, bénis-le. Il a une voiture, bénis-le. Il a reçu cela, Dieu l'a béni. Il a eu un travail, bénis-le. Il a reçu une promotion, bénis-le. Il est ministre, bénis-le. Il est directeur, bénis-le. Il est premier ministre, bénis-le. Il est président, bénis-le. Il est roi ou reine, bénis-la, bénis-le. Renversez vous-même. Il est le membre du parlement, bénis-le, bénis-la. Directeur d'une entreprise, bénis-le. Quand tu le feras, bien-aimé, tu es sûr que ces personnes-là ne vont pas se souvenir de toi ne fût-ce qu'un jour, même si tu n'as pas leur demandé cela. Ces choses-là ne se demandent pas aussi comme ça à la vie. Tu te caches la manière dont tu as demandé, tu montres par des signes que tu l'aimes. Elle aussi ou il aussi ne va pas rester dans son coin. Voilà pourquoi j'aime ceux qui prennent soin de nous. J'aime la police. J'aime l'immigration. J'aime la santé. J'aime le trésor public. J'aime le ministère du travail. J'aime le ministère de ceci, ça, sauf le ministère de la justice, ça je l'aime pas. Alléluia. Oh là là, j'aime les hommes, mais les pratiques, je les aime pas. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Oh là là, que c'est beau, hein. Oh. On va continuer, on va arriver jusqu'à la fin, on va bientôt terminer. Hein?
L'amour ne s'enfuit point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Quand tu voles, c'est mauvais. Si tu voles pour te dire que tu es devenu riche, parce que tu as volé, bien-aimé, ça c'est toi. On va continuer. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Lorsque tu es en communauté, tu ne cherches pas ton intérêt seul, ton intérêt personnel. En disant que, il n'y a que moi-même qu'on verra, on ne verra pas les autres. C'est pas bien. Lorsque tu viens avec un langage communautaire, tu es un démocrate. Tu pratiques l'amour. Même lorsque tu ne fais pas partie de ce pays-là, lorsque les autres vont t'inviter, ils vont t'appeler. Tu viendras, tu parleras comme si tu faisais partie de ce pays-là. À ne pas oublier toi-même, de là où tu reviens et de là où tu es. Si on t'appelle, tu as déjà vu un feu activé là-bas. Les gens sont en train de se brûler. Toi qui arrives, tu ne voudras pas activer ce feu-là. Tu vas chercher à leur montrer selon tes connaissances qu'ils peuvent facilement éteindre ce feu-là. Et la manière à l'éteindre. Il y a des intellos qui ont de l'intelligence, des techniciens de savoir comment est-ce qu'il faut éteindre un feu pareil. Il y a, là où nous sommes, des sapeurs-pompiers, on les appelle des sapeurs, c'est-à-dire qu'ils s'habillent, moi je pense, en tenue. Quand tu les vois s'habiller, ils ont un travail, pas le moindre à faire. Ils savent utiliser du matériel adéquat pour réellement anéantir le feu. Jeter de l'eau dessus, éteindre le feu. Mais tu ne viens pas pour activer le feu. Maintenant, si tu souhaitais que je puisse activer le feu, je ne vois pas ça comme ça. Moi, je vois ça autrement. Parce que j'ai compris peut-être quelque chose de la manière dont Dieu a voulu que je puisse la comprendre. Mais toi, peut-être que tu ne la comprends pas de cette façon. Il faut montrer peut-être à celui qui active le feu que cette façon de faire, l'homme peut être ignorant ou la femme peut s'ignorer de ce qu'elle est en train de faire ou de ce qu'il est en train de faire. Mais si on s'ignore, lorsqu'on fait le mal, on se glorifie dans le mal. Lorsqu'on fait le bien, on ne se reconnaît pas et on souffre. Ce n'est pas bien. Il faut aider l'autre. À lui dire que ce que tu fais, c'est mauvais. Mais il y a une manière de s'approcher de l'autre. Il y a des choses qu'on ne comprend pas sans savoir pourquoi telle personne est là. Si tu ne sais pas pourquoi cette personne est là, il faut chercher à savoir dans le fond qu'il a envoyé là-bas ou placé là. Mais si l'autre l'a placé là, il a une raison. Maintenant, toi, quand tu as découvert ce tel qu'il a placé, va vers cette personne-là. Lui dis, regarde la personne que tu as placée. Tu es convaincu, c'est elle. Tu dis, non, nous, on n'est pas d'accord. Et regarde ce qu'il est en train de faire, cette personne. Elle comprendra. Elle dira, oui, j'ai compris. Mais ce n'est pas comme ça. La personne va lui parler. Certainement. Je ne connais pas le reste. Et ça va s'arranger. Je pense à la mère. Maintenant, si la personne résiste, tu
tu auras déjà, tu continueras à aller vers cette personne. Pacifiquement. Tu es pacifique. Tu ne cherches pas à prendre passer par là. On ne motive pas, je dirais, au combat de cette façon. Je préfère dire le mot. Le combat, c'est pas comme ça. Sinon, tu auras des ennemis partout où tu iras. Tu as la parole de Dieu. Parle de Dieu en donnant des exemples dans la morale que tu auras enseigné. Les hommes et les femmes vont changer. Comprendront que oui, c'est comme ça. La parole de Dieu enseigne les politiques. Un homme de Dieu, c'est un politicien. L'amour ne s'irrite pas. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Il n'a pas raison de se réjouir de l'injustice. Quand tu vois quelqu'un en train de mal faire, tu es en train de te réjouir. Non. Les autres peuvent te faire des propositions. C'est pour que tu te fasses entendre et que tu deviennes quelque chose de bien. Regardez, ce n'est pas en Syrie. D'aucuns diraient que celui qui est là serait parti depuis longtemps. Et qu'entre eux-mêmes, il y en a qui savent. Nos frères russes ont pu dire non, il a raison peut-être d'être là. Les Chinois ont dit non, il a peut-être raison d'être là. Mais si nous disons non, nous on n'a pas besoin, nos frères américains peuvent dire non, on n'a pas besoin. Nos frères français peuvent dire aussi, non, on n'a pas besoin. Mais les Chinois et les Français, plutôt les Russes, ont leur mot à dire. Mais les autres ont fait quoi? Ils disent que, mais ils ont parlé. Ils les respectent. Ils ne peuvent pas aller là-bas faire quoi que ce soit. Qu'est-ce que ça devient? Il dit, il faut vous entendre. Et puis, il résout le problème. Même si ceux qui souffrent, ce ne sont pas eux. C'est d'autres personnes qui souffrent. Ils se retrouvent. Et ils sont en train de débattre de cela. L'idéal, c'est quoi? C'est de faire quelque chose d'ensemble. Et puis, reconstruire le pays. Et continuer. Ceux qui sont passés, sont passés. Et ceux qui vont aller, continuer. C'est tout. Moi, je ne pense pas. S'il faut prendre un langage passé et le remettre quelque part, quand je pense qu'il ne servira à rien, je dis déjà qu'il ne servira à rien. Cette femme gardera sa position de force. C'est tout. Il y a des choses qu'on ne dit pas comme ça. Mais on se permet de le dire parce que, au moins dans un langage caché, pour montrer que on ne sacrifie personne. Nous sommes tous unanimes et nous nous aimons. Nous nous aimons de part et d'autre, en amont comme en aval, on sait. Je suis anglais, je suis français aussi, je suis ce que je peux être américain, je peux être russe, je peux être aussi chinois. Je suis mongolien, je suis quelque part aussi là-bas. Mais je ne peux pas motiver les gens à aller s'entraîner. Quand on est ici, c'est nous, c'est toi qui peux crier, mais celui qui meurt là-bas, c'est un autre. Il faut que toi et toi-même participer pour qu'on sache que tu fais ça bien. Même quand on dit que ça commence toujours quelque part pour que ça puisse aboutir de l'autre, c'est bien qu'on se fasse dans la simplicité avec amour, c'est sans rancune. C'est comme ça que je vois. Maintenant, s'il faut trouver que tout le monde est collabo, parce qu'on aura dit cela, tu t'es trompé, quel que soit l'endroit où tu t'es trompé de la personne que tu as approché dans ce cas, qui ne pouvait pas créer une ambiance qu'on ne crée pas. Et c'est comme ça que les hommes de Dieu comprennent. Voilà. Ils excusent tout. Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. C'est pas facile quand ça se passe là où tu aurais su que ça ne se passe pas. Ça fait mal. Tu souffres, je comprends la raison. Et parfois certaines réactions, c'est bien beau. Mais il faut changer de stratégie. Si une stratégie n'a pas été, trouvez une autre stratégie. Prenez toutes les informations d'épreuve. Et puis voilà, allez-y montrer. Les gens verront, ils sauront que oui, réellement il y a une bonne raison. Même là, certains
sont arrivés déjà comme à parler de beaucoup de choses. C'est comme ça que ça se passe. Oh là là. L'amour ne périt jamais. L'amour reste l'amour. L'amour restera toujours l'amour. Ne périra pas. Voilà pourquoi il faut toujours l'embellir. Garder des bons rapports avec tous. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie et l'amour va demeurer. Car nous connaissons en partie et nous connaissons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Il n'y a plus raison de réprimander quelqu'un de la manière dont tu penses que l'autre se peut s'énerver. Et par respect, l'autre peut prendre juste une distance. Et il dit, il n'y a pas raison de se regarder en face et se parler. C'est pas bon. Et le respect, c'est aussi savoir fuir. L'autre lui dit, ben écoute, tu peux faire des choses dans sa position. Et je reste là où je suis. Comme ça, au moins, on n'aura pas à se dire. Ça, c'est le respect. Et ça aussi, c'est l'amour. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme je t'ai connu. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. J'ai été connu. Mais je ne savais pas que j'étais connu. Je connais en partie, je vais encore connaître en partie, mais jusqu'à ce que je sache comment ce que j'ai été connu. Pour qu'on aujourd'hui qu'on dise de moi que je dis de bonnes choses, je fais de bonnes choses, il faudrait que je voie par là où je suis passé, pour que je devienne ce que je suis aujourd'hui. Que je n'oublie pas, par exemple, celui qui m'a servi de relais pour que je puisse être ce que je suis aujourd'hui. Mais quand je le suis, est-ce que je peux oublier ce relais-là, par là où il est passé? Non. Qu'est-ce que j'ai à faire? C'est de rendre le meilleur qu'il soit à cette personne ou à ces personnes, qu'elles se sentent et évidemment aussi bien portées, c'est-à-dire le bébé. J'ai été porté au moment où je n'avais pas une connaissance, je dirais, s'agit de comprendre ces choses-là. Je connaissais ces choses-là pour peu, sans avoir la grandeur de mieux les comprendre. Mais quand j'ai connu Dieu, Dieu a augmenté ce degré spirituel en moi, pour que je puisse encore une fois les connaître. Mais c'est toujours peu. Mais le peu que je connais, il faudrait que moi, que je sache par où je suis passé pour apprendre ces choses-là, et qui m'a aidé pour que je puisse les avoir et les comprendre ou les connaître. La main a cinq doigts. La main a cinq doigts. En voici deux, en voici trois. Celui-ci est le grand pouce qui se nomme. Regardez les doigts travailler. Chacun fait quoi? Son petit métier. Qui disait ça? C'est quelqu'un. Où est-ce que nous sommes allés? Où est-ce que nous sommes allés? Je dis toujours, l'humilité précède quoi l'élévation.
je connaîtrai comme je te connais. Quand tu commences par te rendre compte que lorsque tu as péché, Dieu, ça c'est pas bon, je ne veux pas pécher. Alors, tu commences à comprendre que ça a commencé par là. Lorsque tu as haï le péché, tu commences à haïr le péché, on dira, c'est le commencement de quoi? De la sagesse. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de l'Éternel des armées. Par le nom puissant de celui qui a créé le ciel et la terre. Par le nom puissant de celui qui nous connaît, mieux que nous-mêmes. Par le nom puissant de celui qui nous aime. Par le nom puissant de celui qui nous garde, qui nous protège. Par le nom puissant de celui qui nous sauve et nous délivre. Par le nom puissant de celui qui nous purifie et nous sanctifie. Par le nom puissant de celui qui nous lave et nous blanchit. Par le nom puissant de celui qui nous garde comme étant enfant, vivant, pour faire son travail. De la manière dont il pense qu'il a raison de le faire. Que Dieu seul témoigne sa grandeur, sa puissance et son autorité. Et que tout ce que nous avons à entreprendre, que nous le fassions continuellement avec amour. Et que son amour puisse prévaloir dans la vie de tout un chacun. Que son amour comble ma vie, que son amour comble ta vie. Que l'amour de Dieu témoigne de nous à travers toute notre pratique. Que l'amour de Dieu nous sanctifie, que l'amour de Dieu nous montre le chemin à suivre. Que l'amour de Dieu nous donne le meilleur à espérer de Dieu. Que Dieu, par son amour, réellement nous donne ce dont nous avons toujours demandé, que nous n'avons pas encore reçu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Est un amour sans fin. Lorsque nous avons cet amour de Dieu, nous pouvons célébrer le Saint Vivien. Je ne dis pas des saintes, je dis Saint Vivien, de Saint et quelques. On sera dans la joie. C'est ça le plat réel de la vie spirituelle. Je n'aime pas l'hypocrisie. Je n'aime pas la haine. Je n'aime pas les gens. Partage. Ne fais pas des gestes. Partage à l'autre. Ne fais pas des gestes. Quand tu peux partager à l'autre, lorsque tu sais que l'autre, tu peux mettre ceci à sa disposition, bien-aimé, ce Dieu que je connais, il est aimé à tout vous. Pourquoi voudras-tu prendre une position contre l'autre? Parce que tu viens d'obtenir telle chose, telle chose. Est-ce que lorsque vous étiez ensemble, l'autre voyait cela? Non, il ne voyait pas cela parce qu'il n'avait qu'un seul objectif, de regarder devant et de pratiquer ce qu'il avait de pratiquer. S'il y a quelque chose qui existe chez l'autre et que toi, tu trouves que tu voudras en obtenir, fais ce dans la légalité. Ne fais pas le qui perd gagne. Tu fais semblant de perdre quand tu veux gagner. J'ai dit quelque chose à personne. Faut pas et puis manquer de respect à l'autre. Revois aussi ta conduite. Peu importe là où tu peux te trouver. Revois ta conduite et dis-toi que si moi je ne suis pas juste, tu ne peux pas aussi être juste. Mais fût-ce une fois, tu as offensé quelqu'un, tu m'as offensé. Et peut-être que tu t'es offensé toi-même, si cela est possible. Si hier j'avais un langage d'un enfant, je parlais comme un enfant, je disais des choses sans contrôle,
Ça, c'est hier. J'ai appris. Je ne peux plus dire des choses sans contrôle. Je le dirai de la manière à montrer à ceux qui m'ont suivi que j'ai appris. Même si on te disait que celui-là est ceci, il est cela, il fait ceci, il est cela, il est sorcier ou il n'est pas sorcier. Il faut montrer une preuve que cette personne a tué quelqu'un. Moi, quelqu'un me dit que tu es sorcier. J'ai dit, montrez-moi la preuve. Qui est-ce qui l'a déjà tué? Nombreux m'ont dit des choses sur telle ou telle personne, que ce sont des sorciers. J'ai dit, si vous montrez la preuve que ce sont des sorciers, moi je vous crois. Par rapport à la preuve que j'aurai en face de moi. Et s'il n'y a aucune preuve qui montre que ce sont des sorciers, pourquoi voudrais-je vous croire? Je salue en passant nos autorités politiques. Je salue d'abord la reine en Angleterre, pour tout ce qu'elle est en train de faire nous concernant à travers son gouvernement, le Premier ministre Cameron et les membres du gouvernement, y compris ceux de l'opposition aussi. Et je salue aussi en passant le président Ali Ben et l'actuel Premier ministre qu'il a bien voulu nommer, celui qui fut mon recteur à l'université Omar Bongo, à la personne de M. Raoundo. Et je salue aussi le président Sassou pour tout ce qu'il ne cesse de faire au Congo. Et je salue tous ceux qui travaillent avec lui, son équipe. Et j'espère que les choses vont continuer comme ils ont pensé le faire, de cette façon, évoluer de cette façon, de la bonne manière. Et nous voulons voir que ces choses, ces routes soient développées jusqu'au sud du pays. Parce que vers le Nari là-bas, alors qu'il n'y a pas de route boutronnée aussi, il faut qu'il y ait des routes. Donc quand je dis il faut, parce qu'on parle un peu. Alléluia! Et je salue aussi, en tout cas, tous ceux qui sont dans la sous-région. Je n'oublie pas à tous ceux qui nous aiment, quel que soit là où ils peuvent être, que nous vous aimons. Notre amour n'a pas de limite. Notre amour est un amour de grandeur, c'est-à-dire que vous connaîtrez et qui va vous enseigner vous-même ce que vous étiez. Si vous avez cet amour en vous, vous ne savez pas ce que vous étiez, c'est mauvais. Il faut que l'amour vous enseigne ce que vous étiez. Et comme ça, vous aurez compris. Merci encore une fois, vous étiez bien sûr LLCCMTV.com, la chaîne de votre Seigneur Jésus-Christ Nazareth, la chaîne de la bonté. Un témoignage est bien fait par la présentation de cette émission par l'homme humble, si je peux me permettre, de la parole, c'est-à-dire le messager qui dit Dieu. Encore une fois, merci beaucoup et que le bon Dieu vous garde. Allez, bye.